Bonjour à toutes et à tous, c'est Ritech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, une rétro-console, une marque que je n'ai jamais reçue. Il s'agit de cette rétro-console, la M25 de chez... Bonne question en fait. Potentiellement de la marque SJ Gamme, et que j'ai reçue avec deux manettes que j'ai juste ici. Ça, faut qu'on en reparle parce que, mine de rien, au niveau du packaging... ça fait un peu peur. Si jamais cette console vous intéresse, il y aura évidemment un lien traqué dans la description, un lien avec un code promo qui vous permettra d'avoir une petite réduction. On est sur une console à 78$, donc à peu près 75€ de base. Et ça monte à 85€ avec les deux manettes qui sont vendues ici avec la console. On va voir tout ce que cela vaut. Allez, nous voici sur la console. On va rapidement faire un petit tour du packaging parce que déjà, on a un beau visuel. C'est plutôt bien présenté. Sachant qu'à l'arrière, en plus de ça, on a les caractéristiques. Donc, ça tourne sous un système Linux MLEC 4.3. Je pense que c'est l'OS personnalisé. On a le support de 26 émulateurs. Au niveau du processeur, c'est un quad-core Cortex A55 cadencé à 1,8 GHz. On est sur 4 Go de RAM. C'est de la DDR2, par contre. Alors, au début, je m'étais dit 4, ok. DDR2, j'ai un petit peu peur. C'est la version 64 Go de stockage. On peut aller jusqu'à 128. On a un écran de 4,3 pouces, mais c'est du 480 par 272 pixel. Là également, je me dis, attention. Alors, j'ai vu également 3000 mAh, je me suis dit, c'est pas trop mal. Mais également sur le site Geekbuying, je vois qu'on est entre 3 et 4 heures d'autonomie. Donc là également, j'ai un petit peu peur. Donc on va voir ce que ça donne. Tout ce que j'ai déballé, c'est les manettes. Et au vu de la qualité des manettes, j'ai fait, ah, on va voir. Allez, c'est parti, on va déballer ça. Est-ce que, en tout cas, c'est bien emballé? Hop! Donc on a la manette ici qui est dans du plastique, bon c'est du vieux plastique, on a un sachet ici, on n'a pas de mousse ou quoi que ce soit comme chez les Ambernic, on a une petite notice ici, un câble USB-C vers USB-A, est-ce qu'on a d'autres choses? Oui on a autre chose, oh on a un câble, ah ça c'est pas mal, ah ça ce serait bien qu'ils le fassent pour les Ambernic, on a un mini HDMI vers HDMI, ça c'est plutôt cool, on devine qu'il y aura normalement une prise mini HDMI. Alors on va déballer tout de suite la console et je peux déjà dire qu'elle est très légère hein, franchement. Ouah, ça fait cheap, hein. Comparé à une Ambernic RG40 XXH, ça n'a pas grand chose à voir. Hein. Au niveau du plastique c'est de la moins bonne qualité, au niveau des boutons, rien qu'au bruit et au toucher... c'est bien différent. Rapidement, je vais vous montrer les deux manettes que j'ai reçues. Alors déjà, au niveau du packaging, ça va pas du tout. Parce que on a clairement une boîte qui est complètement différente. Là, on a une manette de PS2. Je me suis dit, ok. Bon, avec un adaptateur qui permet de faire la connexion en 2,4 GHz. Le problème, c'est que là, je me dis, eh, bah en fait, c'est... non, parce que c'est une prise HDMI, je suis bon. Et lorsqu'on ouvre la boîte, en fait, on retrouve deux manettes qui ont le même design que la console. Donc certes, c'est plutôt pas mal, mais pareil, c'est pas terrible niveau ressenti, hein. Ça donne pas très confiance. On pourra pas la balancer celle-ci, je pense que si vous la balancez une fois, c'est terminé. Au moins, vous êtes prévenu. Donc je me dis, tout ça pour 80€, enfin 85€, ouais, c'est pas très très cher je trouve. Je comprends pourquoi. Alors, nous voici donc sur la console. Donc, pas de protection d'écran. Donc, il y a une protection d'écran qui est déjà dessus, en fait. J'espère que c'est la protection d'écran, en tout cas, qui s'enlève un petit peu, là. On a un bouton plus et moins, ça doit être pour le volume. Bouton start et select ici, mais on a le même logo. Deux petites joysticks ici qui sont assez courts, un peu comme sur la RG556. D'ailleurs, c'est clairement le même format. Avec, c'est comme si c'était une manette... avec un écran au milieu, croix directionnelle ici, A, B, X, Y ici, on a R1, L1, L2, R2, par contre c'est pas de l'analogique, hein. C'est des boutons où lorsqu'on appuie ça s'active, on a le vieux bouton switch on off qui est ici, mini HDMI, une prise jack malheureusement vers le haut, j'aurais préféré vers le bas, une prise USB-C pour recharger la console, vers le bas on n'aura rien, en dessous on aura une grille ici, je pense... pour le haut-parleur, que je vois pas d'autres grilles ailleurs, et du coup, il n'y aura pas de grille d'aération. Comme je l'ai dit, un niveau construction, ça respire pas vraiment la qualité. Hein. Très clairement, j'ai un peu peur pour l'écran. Franchement, j'ai un petit peu peur. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. J'avoue que là, pour le prix, ça fait un petit peu mal. Hein. Il y a des Ambernic et des Powokidi qui vont faire grandement concurrence. Allez, on va l'allumer. Est-ce qu'il y a de la batterie? Ouais, il y a de la batterie. Ouh.
Oula oui, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de pixels. Hein. On va voir ce que ça donne au niveau de l'image et ce que ça donne au niveau de l'OS. Donc Emu Elec. Ouais, c'est pixelisé, hein, clairement. On voit que c'est pas une grosse définition. Hein. Encore une fois, si on compare à la RG 40XXH, ça se voit tout de suite. Alors on est en présence de 30131 jeux quand même. C'est une interface qui ressemble un petit peu à Bateau Serra, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce qu'on a comme console? Donc, déjà, on peut regarder tous les jeux. On a évidemment les favoris. Et d'ailleurs, favoritos, c'est en espagnol ou en anglais? Je sais pas trop. Alors, on a les jeux d'arcade. Encore des jeux d'arcade, là également. On a l'Atari 2600, l'Atari 5200, Atari 7800, la Lynx. Encore des jeux d'arcade, la Dreamcast, la Nintendo DS, PC Engine, la NES. NES H, je vois pas trop la différence là pour le coup, la Game Boy, la Super Nintendo, par contre c'est quoi ce design de Goku, il est horrible, donc encore une fois la Super Nintendo, alors il y a des émulateurs qui se ressemblent, hein. Super Nintendo, Super Famicom, il me semble que ce sont les mêmes, la Nintendo 64 bien entendu, la Game Boy Color, Game Boy Advance, on a Sega Genesis Hack, pourquoi pas, mais ça m'a l'air d'être la Master System, la Game Gear, la Mega Drive, la Neo Geo Pocket Color, la PSP, PlayStation, et ce sera tout. Alors, ils avaient dit 26, oh, je crois qu'elle est 26, ouais. Non, 25, alors j'ai 25, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Alors j'ai 27. Je crois qu'ils avaient dit 26. On est peut-être compté un en trop, mais il y a au moins deux. Alors 25, ce serait, je pense, le chiffre correct parce qu'on a des. Une console qui est pour moi en double avec la Super Nintendo. Bref. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau des menus, qu'est-ce qu'on a? Donc si on appuie sur Start. Ça ressemble vraiment à du Bateau Serra. Alors, on peut régler le son, on peut régler le rétro-éclairage. Donc, système, est-ce qu'on a le français à tout hasard? Oui, on a le français, pas mal. Information, ok. On peut pas aller dans Advanced, c'est pas tactile. Alors, on va faire retour arrière. Il va charger, je pense, la langue française. Ok, il recharge complètement la console. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Paramètres système, et puis, bah, c'est tout. C'est tout, j'ai l'impression. Hein, on n'a pas grand-chose. Si je fais select, il se passe... rien du tout, ok, donc on peut faire rechercher ici, donc une recherche classique, si on met, je sais pas, ok, il me sort les Pokémon, ça marche, et bah ce sera tout, hein. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les jeux, hein. Je vais faire une petite session de test, et puis on va voir ce que ça donne.
Ok, ça fait bien 40 minutes que je joue à cette console, je peux vous donner maintenant mon avis. Au niveau de la prise en main, c'est plutôt pas mal. Comme on est sur quasiment une manette de PS5 avec juste l'écran au milieu, ça fait qu'on a les mains un petit peu plus écartées que sur une manette classique, mais pour autant c'est pas gênant, et les joysticks sont facilement atteignables, il y a juste à baisser le pouce. Pas obligé de repositionner sa main, donc ça c'est plutôt agréable. La croix directionnelle est facilement atteignable, les touches sont facilement atteignables également, le bouton Start et Select également aussi, et les gâchettes tombent très bien sous la main également. Pour les boutons volume plus et moins, faudra aller un petit peu plus loin, mais c'est pas très grave. Donc c'est un très bon point pour la prise en main. Au niveau des options, alors juste, il n'y aura pas grand chose, parce que à part sauvegarder, charger le jeu, ou avoir juste des options sur l'aspect du jeu, bah il n'y a pas grand chose quoi. Et c'est un petit peu dommage, notamment pour le réglage des boutons, parce que sur Nintendo 64, pour jouer à GoldenEye, j'avais un problème. Lorsque je voulais avancer, la vue baissait. Lorsque je voulais reculer, la vue remontait. Et lorsque je voulais aller à gauche ou à droite, pareil, en fait il y avait deux actions en même temps, et pas possibilité de régler ça. J'ai pas trouvé l'endroit où le faire. Alors j'ai pas regardé vite fait dans le... dans le menu de la Nintendo, si je vais voir que je retrouve déjà la console. Voilà, elle est là. Si je fais menu, bah j'ai rien en fait. J'ai rien, je peux pas changer les touches. Donc ça c'est dommage, faudra faire attention au jeu auquel vous jouez. Pareil sur Donkey Kong 64. Je pense que vous le verrez sur le test du jeu, mais il y a des problèmes de caméra. Donc les jeux 3D sur Nintendo 64, bah c'est peut-être pas trop jouable. Et ça, c'est franchement dommage. Parce que je vais en venir à la puissance de la console. Je m'attendais pas du tout à une telle puissance et à une telle aisance pour émuler les jeux. Autant vous dire que jusqu'à la PSP, ça va extrêmement bien marcher. La seule console qui m'a posé un petit peu problème, c'est la Dreamcast, où Crazy Taxi 2 pouvait... Alors, ça tournait pas à 60 FPS, ça tournait à 30 au mieux. Je pense qu'il y avait des petits drops de temps en temps et des petits bugs de son. Mais sinon, la PSP, ça a très bien marché. Mieux que sur la RG40 XXH. La PlayStation, ça a très bien marché. La Nintendo 64, mis à part les problèmes de réglage de boutons, ça marche très bien, ça tourne très bien. Et pour toutes les consoles qui seront en dessous de celle-ci, la Master System, la Mega Drive, toutes les Game Boy, jusqu'à la DS, tout marchera parfaitement. C'est très fluide, je suis très étonné là-dessus. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Malgré tout,
eh bien, on a quand même des défauts qui ne sont pas négligeables. Alors, sur l'écran, on voit que c'est un écran qui n'est pas de très très bonne qualité. Les couleurs sont bof bof. On va dire que ça passe lorsqu'on est en jeu, parce que mine de rien, bon, à l'époque, on n'avait pas des écrans aussi beaux. Donc la définition en soi pour des jeux qui sont très vieux, vraiment très vieux, style Game Boy, Game Boy Color, etc., ça passe largement. Pour des jeux qui seront un petit peu plus récents, je pense notamment aux jeux PSP ou PlayStation, ça sera un petit peu sentir, mais encore ça va. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment dans le menu avec les textes où c'est vraiment moche, notamment avec les images. Il y a également cette construction qui fait vraiment cheap au niveau du plastique, au niveau des boutons, pour la durée de la console. Ah, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. J'avoue que j'y mets un petit bémol. J'ai peur que ça lâche assez rapidement. Après, je pouvais pas le vérifier. Mais bon, sachez que ça fait cheap. Pour le son, j'ai envie de dire, c'est pareil que sur toutes les autres consoles. Il y a de la puissance. Si vous mettez à fond, ça va saturer. Je vous conseille toujours d'y brancher un casque pour que ça puisse mieux marcher. Après, au niveau des options, eh bien, on a tout. On a le Bluetooth pour y connecter des manettes. On a le mini HDMI pour caster ça sur un écran. On peut donc s'en servir comme une mini console. Et franchement, ça fait largement l'affaire parce que, étant donné que ça émule très bien pour les jeux qui se prêtent aux multijoueurs comme la Nintendo 64 ou la PlayStation, eh bien ce sera top. Alors cette console, au final, est-ce que je la recommande? Eh bien, c'est quand même compliqué. Parce que pour le même prix, je rappelle qu'elle est à peu près à 75€ sur Geekbuying, eh bien on aura des consoles vraiment qui vont venir concurrencer celle-ci. Je pense notamment à la RG40XX qui est juste ici, qui se trouve à peu près à 80€. On aura la Ambernic RG35XXSP que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, qui sera presque à 15€ moins cher. On retrouve également la Paokedi RGB30 qui, elle, est à peu près également aux alentours des 80€. On a la Ambernic RG Arc S et Arc D qui sont aux alentours de ces prix-là également. On a la Ambernic RG35XXH également. Après, je prends vraiment que les consoles dans ce format-là. Mais si on prend dans un autre format, par exemple, un format Game Boy plus classique, parce qu'on est sur un format manette PlayStation, donc un peu PlayStation, eh bien, on aura la Mini Mio, qui est une excellente console. On aura également la RG35XX, c'est voilà, 25€ de plus quand même. Autant dire qu'on a de la concurrence et ça fait un petit peu mal quand même. Surtout quand on voit le niveau de construction de la console et quand on voit l'autonomie. Hein. Au vu de la batterie restante, autant dire qu'effectivement on doit être entre 3 et 4 heures. 4 heures c'est vraiment grand max en jouant qu'à des jeux 2D. Là où sur une Ambernic RG40XXH, je vais y arriver, eh bien on est sur 5 à 6 heures d'autonomie. On est sur une console qui est bien plus qualitative en main, que ce soit au niveau des joysticks, au niveau des boutons, au niveau du plastique qui la compose. Au niveau de la puissance, on est sur quelque chose de quasiment équivalente. Là, on a un léger avantage pour la M25, mais on retrouve la Wi-Fi en plus ici. Et au niveau de la communauté et des OS qui seront disponibles au niveau des bidouillages, eh bien, vous aurez beaucoup plus de choses sur la Ambernic que sur la M25, notamment au niveau de l'OS, où on a beaucoup plus de choses à régler sur la Ambernic que sur la M25, qui est vraiment très très basique au niveau des réglages. Clairement, moi, si j'avais à faire un choix, je prendrais la Ambernic sans hésiter. Si on choisit la M25, c'est vraiment parce qu'on veut un format manette PS5 et qu'on veut potentiellement une prise en main un peu plus agréable, surtout au niveau des joysticks, et qu'on souhaite un petit peu plus de puissance. Sinon, ce sera la Ambernic RG40XXH. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'avoue que c'était pas très bien parti, mais finalement, on termine bien ce test sur une bonne note, je trouve. On est clairement sur une console où j'hésite à vous la recommander. C'est la première fois que ça arrive. Fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Si jamais vous avez des questions sur cette console, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous y répondrai volontiers. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Et tant que je commence mes 10 km de course à pied après mes 100 pompes et mes 100 abdos.